Je suis content de la présence de mon Dieu cet après-midi. Je suis content de ne pas être là pour le Dieu de au monde. J'espère que vous êtes content. Amen. Gloire à Dieu. Donc, premièrement, je vais remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il a donnée à moi pour la cause de la parole de Dieu. Bien sûr, le pasteur Ajvin est fini. Il a une autre réunion pour y aller, pour ça, il fait dire moi pour la parole de Dieu aujourd'hui. Mais la parole de Dieu va être prêchée, il n'y a pas de ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu, alors, ceux qui font trop austère, je fais trop le titre c'est Blessed to be blessed. Oui. C'est maintenant pour mettre, c'est en période, c'est une deuxième source de bénédiction. Oui. Amen. Laisse avant nous commencer la parole de Dieu, nous passons à la prière. On refuse. Beau. Bonheur. Dans le nom de Jésus. Orifice. Cancer. Diabète. Cholestérol. Cancer. Dans le nom de Jésus. Orifice. Manquement. Accident. Cauchemar. Dans le nom de Jésus. Vos commandes. Vos pensées. Vos léquerres. L'attitude. Vite captive. À l'obéissance de Jésus-Christ. Vous déclarez. Jésus-Christ. Du Seigneur. De l'île Maurice. Et de la vie dans le nom de Jésus. Amen. Bien pour l'Église qui l'habite dans la Genèse 42, verset 28. Pour l'argent et pour les temps de notre cause. Genèse 31, 41. La paix, oui, 10 fois plus. C'est du moins 10 fois plus qui est arrivé. Il n'y a pas de 10 000. Genèse 50, verset 20. Ce qui dit monde, qui pense du mal, fait à toi, bon Dieu, tout ça. Je te dis bien. Genèse 33, verset 11. Dieu fit combler de grâce, n'en rien ne pas manquer. Agnès 28, verset 18. Le pain n'en rien qui mérite la mort. Ecclésias 3, verset 11. Bonté fait tout qui se solide dans ce état. Zacharie 2, verset 5. Bonté, un miracle qui fait autour de nous. Nom 23, 23. Ni la sorcellerie, ni la divination, pas capable de toucher moi. Exode 14, 14. L'Éternel lui-même, il vous combat pour moi. Amen. Joël 3, les versets. Tu nous penses que tu vas stager. Bondé la petite. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous commençons la parole de Dieu. Qui ça veut dire bénédiction? Dans le dictionnaire, bénédiction, c'est la faveur de Dieu, protection de Dieu. Et dans le dictionnaire, la Bible, bénédiction, les erreurs. Quelqu'un content, vraiment quelqu'un joyeux. Moi, je souhaite le bonheur, moi, je souhaite happiness et quelqu'un. Alors, laisse-nous voir la Bible dans Luc 6, verset 31. Madame Adriel, si tu es capable de lire, bien fort pour moi. Luc 6, verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Béniali. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Voilà Dieu. Ce qu'ils ont envie de vous faire pour eux, faites-le pareil pour les autres. En anglais, c'est traite les autres pareil comme on vient de traiter. Ça là, ici, on vient de maltraiter. Les autres, amen. Les autres, prier. Bien sûr. C'est tout ce qu'on entend du monde faire les autres bien. Cause avec Dieu bien, il a un bon accueil. Je montre Dieu bien, je suis toujours content ça, quand je montre Dieu bien. Si il arrivait pendant la journée, il arrivait un qui tient un démon, il mal cause avec Dieu, je la journée capable affecté par ça. Je suis d'accord? Ça va d'accord? Voilà Dieu. Alors, nous tous nous contents, je montre nous bien, mais il est de même pour nous. Nous aussi, vous êtes capables de traiter ce monde bien. Vous êtes capables de traiter nos prochains bien, causer bien, et une bonne manière d'agir avec maintenant. Dans Luc 6, verset 31, toujours, et une autre version des erreurs, behave to others in the same manner you desire, they will behave to you. Agir pareil avec Mandimon, la façon qui vous envie de vous agir avec. Amen. Voilà Dieu. Je ne suis pas content du monde que je causais derrière les deux. Que vous avez fait? Cause que c'est du monde derrière les deux. Non? Non. Pas cause que c'est du monde derrière les deux. Je ne suis pas content du monde dénigré ou. Que vous avez fait? Allez dénigrer un autre du monde. Je ne suis pas content du monde, mais toi pas.
adorez-le à ton point de vue. Pas content, mais tu as peur. Qui nous a fait nous? Pas même du monde à peur. Intégrer même du monde, tu as tout nous dans l'église, intégrer chacun et une communion avec nos frères et sœurs. Vous êtes de manière et bien important, frères et sœurs. De manière et bien important envers les uns les autres, envers nos frères et nos sœurs. Surtout quand quelqu'un qui vit l'église pour la première fois. Sa perception que l'on a dans l'église, c'est sa première jour qu'il est venu là, la façon que Dieu agit avec lui. C'est ça qu'il faut, c'est sa pensée là qu'il faut à la case, mais ok, l'église va bien accueillir lui, mais pas bien accueillir lui. Alors, la façon dont agir avec Dieu est bien important. Laisse-toi que Genèse 5, le verset 10. Toujours à lire. Genèse 5 et le verset 2. Peut-être qu'on va pas être long à tout dire. Mais ce qui bon Dieu met dans le cœur, faut vous dire. Genèse 5 et le verset 2. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Alors là, nous trouvons, bon Dieu fait créer l'homme et la femme, bénit maintenant, ne maintenant. En anglais, il dit, male and female, he made them, naming them men, men ici, il veut dire, comment, tout ce qu'il veut dire, and giving them his blessing on the day they were made. Giving them his blessing on the day they were made. Ça veut dire, ça joue qu'il bon Dieu fait créer l'homme et la femme. Il fait bénir ça jour-là, il fait bénir maintenant. Quand bon Dieu fait bénir ça jour qu'il fait créer là, vous allez vous dire qu'il fait bénir ça jour. Il y a des attentions à demander qui fait mon nez aujourd'hui. Jamais vous dire ça qui fait ça, qui fait mon nez aujourd'hui, parce que mon Dieu fait bénir ça aujourd'hui, qui fait mon nez. Amen. Pas penser ou être quelqu'un qui est inutile, ou quelqu'un qui n'est pas servi dans rien. Parce que bon Dieu bénit ça aujourd'hui, qui fait mon nez. Ça aujourd'hui, qui fait bénir dans la terre là. Bon Dieu bénit ça aujourd'hui. Vous ne jamais penser ou être quelqu'un qui est inutile, ou quelqu'un qui n'est pas capable de faire rien. Et bien sûr, quand nous pouvons dire, pas penser qu'il y a quelqu'un qui est inutile, pas faire notre quelqu'un penser, pas faire notre quelqu'un sentir inutile, pas faire notre quelqu'un sentir qu'il est bien à valeur. Il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas un chrétien, il y a dans l'église, il n'y a pas un rendez-vous, un travail, il y a pas de chrétien. Pas faire quelqu'un penser qu'il est bien à valeur. Parce que quand on travaille, il fait contrer, il fait contrer le travail, alors on travaille avec comptabilité française. Alors ici, il fait ça changement là, il travaille en anglais, après il est en français. Il va te faire capable au commencement. Au commencement, quand il vient rentrer, il trouve ça difficile. Il vient causer avec mon signaux. Il vient trouver pas bien capable. Mais arrivé en l'air, il dit non, pas capable de faire comme ça. Nous va qu'à laisser sentir l'initié. Nous répondons. Vous allez guetter ça. Vous faites un marchand avec toi. Vous voudrez une fois que mon besoin, c'est moi qui ai besoin de sérieux, de besoin de suivre ce qu'il me dit. Alors, tu fais, qu'est-ce qu'il 6 mois? Il n'y a pas de travail. Les pannes, ça l'est là, ce qui nous fait, c'est nous empêcher de sentir inutile. Et c'est ce qui nous arrive, ça fait servir. Est-ce que tu as Genèse 12 et le verset? Il y a le verset 1 et le verset 2. Qu'est-ce qu'il y a 3? 1 et 3. Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors là, nous trouvons, le bon Dieu va dire à Abraham, le verset 1, à ton pays, va-t'en de ton pays, c'est-à-dire quitte ton pays, allez, quitte la case de papa, à ton pays qui m'a montré toi. Le verset 2, la Bible dit, bon, fais-toi venir une grande nation. Pour vous bénir toi, pour vous rendre toi un grand nom, et te trouver une source de bénédiction. Lui, second, il dit ça, et tu seras une source de bénédiction. Maintenant, vous dites à moi, frère, mais ça, il y a mon Dieu, c'est Abraham. Et la cour, mon Dieu, c'est Abraham. Laisse-moi dire, Galates 3, le verset 29. Laisse-moi dire. Et la Bible dit, Galates 3, le verset 29, dans la Bible du peuple, il dit, si vous êtes en Christ, Vous êtes de la descendance d'Abraham, des héritiers de la promesse. Ça, vous êtes descendants d'Abraham, c'est-à-dire nos grands-parents, grands-grands-grands-grands-grands-parents, tiens-moi, descendants d'Abraham.
Ça veut dire héritier de la promesse. Je tout les espaces pour je ne gagne pas les autres parents, les autres amis, ça ne gagne pas les autres parents. Je ne gagne pas les autres parents parce qu'ils savent, pour lui, Abraham bondit fait sa promesse là, Abraham bondit fait sa promesse là avec lui, et nous, nous lui, même héritier de sa promesse là. C'est-à-dire, sa promesse là, il vient pour nous aussi. C'est-à-dire qu'il nous aussi, nous une source de bénédiction. Vous amen? Vous avez une source de bénédiction avec Dieu? Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Proverbe 3, le verset 27. Vous regardez? Une source de bénédiction. Alléluia. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Pas besoin de refuser faire du bien qui gagne qu'on ne peut pas faire. Dans la version CEV, il dit faire tout ce qui est capable pour un gagne, qui mérite ou l'aide. Faire tout ce qui est capable pour un gagne, qui mérite ou l'aide. Nous avons déjà tiré la chanson de sa bonne quotidienne, qui mérite ou l'aide. Oui, la Bible dit nous, il y a une bénédiction. Je suis d'accord là. Ça va d'accord là, c'est pas bien. D'accord. Allez. Là, la Bible dit. Fais tout ce que tu es capable pour un gagne qui mérite de l'aide. Parfois, nous avons des gens qui viennent et demandent charité. Monsieur, je n'arrive pas à voir, monsieur, déjà parce que ça, il vient de demander charité. Si je me connais, il y en a qui viennent la grâce. Si je me connais, il était la grâce, il vous demande grâce. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là? Ça coûte votre bien. Ça coûte votre bien, même la grâce. Alors, qui m'a envie de dire pour ça? Un gagne qui mérite de l'aide. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Pas quelqu'un qui l'a pour nous dire en prière, c'est pour Barbis. Pas quelqu'un qui l'a pour venir pour profiter aux bontés. Ou, on vit à Dimouna, mais lui, il peut abuser de bontés. Alors, viens en l'aide à quelqu'un qui mérite ou l'aide. Pareil, quand moi, tu es un quelqu'un, il vient de ma charité. Ok? Moi, je l'ai. Écoute. Au chaque coup, moi, j'ai dit, mon père a l'argent, mais maintenant, manger de lui. Deviens un petit peu, c'est-à-dire. Deviens un petit peu. Contient, il est venu, pareil, mon maman, j'ai même à faire. Et j'ai mon père a l'argent là, pour que de nous manger. Après ça, tu m'en arrives. Il fait, c'est mon âge, tu me fais un casse. Qu'est-ce qu'il va faire? Après qu'il nous finisse, il va boire l'alcool, mais. Père de Dieu, nous avons une bénédiction, mais comment nous dire, c'est une bénédiction pour quelqu'un qui mérite ou l'aide. Par exemple, pasteur, je vais te faire un montage dans ma tête. Les hommes, quelqu'un qui est revient, qui les aide. Ils vont te dire comment vous voulez le travail, comment vous travaillez, comment vous gagnez un casse. À celle-là, il est capable de nier. Juste pour celle-là, comment ils vont faire pour faire. Montrez quelqu'un comment vous gagnez un travail, comment vous travaillez, comment vous gagnez. Moi, je suis capable de bien se manger à travers toi. Amen. Moi, je suis un peu pour ma situation, par exemple. Je vais vous dire que si quelqu'un vraiment a besoin, il n'est pas capable de faire une provision. Ok, moi, il dit en partie. Je vais donner un exemple dans mon ami. Une fois, tu es un jeune, il fait pour venir dans un grand plan pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour t'appeler justement, ce n'est pas pour dire qu'il veut le faire, mais c'est pour donner la gloire à Dieu. Tu es un jeune. Il est fait sur l'université, par exemple. Il est fait sur l'université. Maintenant, il voulait graduer. Après son graduation.
Le Dieu, je suis un frère Yadj. Je fais 4 jeunes en fait. Tout content, tu finis fait à l'université, tu fais des degrés pendant 3 ans. Ça, c'est une graduation. Tu vas attendre ça. Vraiment, attends. Alors, ça jeune là, il fait son université, mais financièrement, je vais être stable. Alors, il veut pas dire ça, il veut dire que pour faire graduation, il faut payer un fils. Il est peinard l'argent. Ses parents vont pas subventionner ça. Parce qu'il est encore son même frère, sa soeur, qui vous a guetté. Il dit, ben, il va pas aller. Ça les reste en dérange. Moi, quelqu'un qui vient sur l'université 3 ans, sur l'air graduation, il passe sur l'examen, il vient en beauté. Sur l'air graduation, arrivé là, il trouve une situation qui ne va pas à la graduation. Il dit, moi, ça a beaucoup de temps. Ok? Mais tiens, puisqu'il a moitié de nous. C'est plus que la moitié de l'année. Là, après, quand vous êtes nés, vous avez graduation de même passé. Vous avez graduation de passé. Il y a un seul graduation. Il gagne ce qui t'y manquait. Mon Dieu, le pouvoir. Et il est capable de faire ce graduation. Qui va envie de dire, ça l'est là, où il y a une bénédiction pour lui. Tu la vois pour mon Dieu. Dans une situation, c'est une situation que, regardez, il mérite mon aide. Il mérite mon aide. Ça a l'air de quelqu'un qui a aidé. Mais quand on dit, mais c'est dans mon cœur, moi je choisis en fait. Alléluia. Vous allez considérer vos propres intérêts à l'heure. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ça, mais vous viens, et puis quand vous faites des affaires, moi c'est quelque chose pour moi. Non. Vous venez dire ça. Laissez-moi mettre un exemple dans la Bible. Luc 5, le verset 17. 17 à 20. C'est la parole de l'Éternel. Un jour, Jésus enseignait, les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait pour des guérisons. Voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas pour où l'introduire à cause de la foule, ils montaient sur le toit et ils le Et il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, les péchés sont pardonnés. Alors cette histoire-là, ce qui peut dire, bon, alors, bref là-dedans, c'est quelqu'un qui est paralysé. Alors Jésus te fait enseigner à Jérusalem. C'est quelqu'un qui est paralysé. Alors, il y a un petit monde qui l'amène lit. Pour les agir sur guérison. Ça va être vous trouvez le verset 17. La puissance du Seigneur te fait manifester par ma guérison. C'est-à-dire, c'est un malade là-bas, c'est un malade qui peut guérir. Alors, ça va être qu'il y a un homme qui amène quelqu'un paralysé là vers le Seigneur Jésus. Maintenant, vous allez amener. Il y a une place pour rentrer, monsieur. Si tu as la foule, il y a une place pour amener devant Jésus. Qui se fait? Je Allah où? Je te. Je vais faire des choses qui sont capables de descendre devant Jésus-Christ. Défonce là, moi je vais faire, je vais descendre devant Jésus-Christ. Et Jésus vous dit, verset 20, Jésus trouve un autre de la foi, et sa personne a guéri, quand je vous concilie à ce soir, je vous trouvais, sa personne a guéri, il est venu passer, on se lirait. Alors, vous avez à dire de l'ascension, verset 19 et 20. Comment est-ce trouvé bien la place? Je vais dire, il retourne à casa, c'est le tout. Je vais dire, mais laisse réunion finir, quand réunion pour finir. Tout le monde pour sortir, Jésus pour sortir, d'accord? Jésus vous a sorti quand réunion pour finir. Mais là, Jésus vous trouve l'écoute de la porte. Jésus vous trouve l'écoute de la porte, il est pour guérir. Mais là, je vais dire ça. Je vais dire, Astéa là. Parfois, quand arrivé, pasteur veut prêcher, je vais trouver souvent les fois, pasteur veut dire, viens devant ce qui est là, telle complication ou bien. Tel guide spécifique. Pas dire après mon parler. Parce que quand je dis, restez là, bon, j'ai une cause avec lui là. Restez là, c'est où les temps. Amen. Voilà, quand je dis, nous faisons ça après, de choisir restez là. Choisir restez là, mon frère, monsieur, pour prier. Pas dire après mon frère. Choisir restez là, pour écouter la parole de Dieu. Choisir restez là, pour adorer. Pas dire après mon frère. Et se retourne au verset 20. La Bible dit à nous,
Jésus qui trouve la nature de la foi. Jésus voyant leur foi. La Bible dit Jésus qui trouve la foi, c'est quelqu'un qui paralyse. Le qui trouve la foi, c'est quelqu'un qui l'amène là. Et nous trouver, c'est quelqu'un qui est guéri. Peuple de Dieu, parfois, c'est qui va arriver dans la vie. Nous allons trouver dans une situation que nous allons prier pour quelqu'un. Nous allons trouver dans une situation que nous allons agir dans la foi pour quelqu'un. Pour les amis, on refuse de faire. Capable de dire, nous avons une situation que vous ne pas capable, il n'arrive pas à décourager, il est capable. Il arrive dans une situation qui est oublié, compliquée. Agir dans la foi pour les gens. Ça a l'air d'avoir une bénédiction que ça qui est là. Il vit trop sur les gens. Agir pour la foi. Alléluia, gloire à Dieu. Nous voyons l'histoire arabe. L'arabe est une prostituée. Bon Dieu m'a donné ce titre pour faire une bénédiction pour sa d'espion. Il vient casser sa d'espion. Bon Dieu m'a donné ce titre. Pas que du titre, peuple de Dieu. Pas dire, moi j'en prends. Avant les enfants, pourquoi bien bénédiction? Non. Même un petit enfant, même un quelqu'un qui est dans l'âge, vous êtes tout capable de faire une bénédiction pour un quelqu'un. Pas bien dire, vous faites un travail. Oui, il va paraître difficile, mais il n'est pas nécessairement un enjeu qui est bénédiction pour un quelqu'un. Et dans les autres façons, quand il y a une bénédiction pour quelqu'un. Quand il y a un autre jeune, un jeune, c'est qui est inférieur au jeune, c'est qui est inférieur au jeune, et de ta main, et de ta main, de là, tu vas mettre au mien, et de ta main. Quand il y a un autre jeune, tu vois quand il y a une bénédiction, c'est trop jeune. Non, on dit une troisième de tout. On trouve l'histoire de Joseph. Même si mon père fait une bonne année, même s'il fait une déception, même s'il fait une trahir, mais il choisit pour une bénédiction sur mon frère. Dans le piquant, on va lancer dans les besoins. Dans 1 Pierre 3, le verset 9. Allez, allez, Ariel. Ne rendez pas mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire. Pensez à cela que vous avez été appelé afin d'hériter la bénédiction. Pas le mal pour le mal. Allez, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Bénédic. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, quand c'est à cela que vous avez été appelé, afin d'hériter la bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. Pas le mal pour le mal. Même dans la vie de trahir, Joseph, il va faire le mal pour le mal. Mais ce que contient Luc 10, verset 25. Parabole du bon samaritain. Bravo. Merci, Sylvie. Le temps en parabole. Alors, vous trouvez dans Luc 10, verset 25, c'est un kikan, c'est le verset 30, dans Luc d'ailleurs, un kikan typial, un démon typial à Jérusalem, et quand vous avez une attaque, vous avez une cocaïne, vous avez une battle, vous avez une laissée, demi-mort. Le verset 31, un sacrificateur qui passe là-bas, maintenant, vous mettez en terre aujourd'hui, un sacrificateur, un pasteur qui passe là-bas, il va finir, phénomène. Le verset 32 dit, un Lévite qui ne passe là-bas, il n'est pas qui fait un homme. Un Lévite, aujourd'hui nous avons dit qu'on est leader. Le verset 33, la Bible dit, un Samaritain qui ne passe là-bas, il fait une grande compassion pour ce quelqu'un-là, et il fait une vie en aide, il fait une donne soin qui est bizarre, il fait une vie d'un hôtel, il fait une paye tout son frère. Ça se tourne tout le monde, ça s'arrête là, qu'il y a une bénédiction, ça vient de mal, qui te laisse à demi-mort. Comme ça, il y a une petite, comme ça, il y a une petite, comme ça, il y a une petite, moi, on a une petite dans mon travail, on peut mettre ça dans l'église. On vient dans l'église, personne ne peut être un petit. Quand on vient dans l'église, il n'y a personne qui a un petit. Irrespective de notre petit, laisse-nous venir une bénédiction pour nos frères et soeurs. Laisse-nous venir une bénédiction dans nos sociétés. C'est un camarade qui est en train de travailler, qui est très loin.
Fais-moi, avant d'y aller, 4-5, 4-5 ans, une information avec lui, avant d'y aller, lisez-moi le principe. Lisez-moi, il y a quoi de combien de travail tu as pour faire. Si jamais ton camarade vise à toi, tu te travailles avec ton camarade. Bon, mais écoute, quand il dit ça, je dis, c'est un gros travail. Mon travail, il va. Lisez-moi pas qu'à s'aider de ton travail. Qui te travaille juste avec toi. Ok, on a deux plénines. Je suis en principe là. Et mon cas de ce que je vous dis, à chaque fois, on a quand même dit, on a allé mon étude. On a allé mon résoudre le problème que je suis gagné. Après, on va retourner faire mon travail. Ils amènent arrivé contre moi, mon clé, pour faire mon travail. Mon fini mon travail, soit à manger, soit on gagne des temps qui viennent additionnels, c'est-à-dire, je suis capable de gagner certains temps pour faire ça, on gagne encore les temps pour faire le travail. Alors, pour moi, là, ça m'a dit, clairement, écoute, si un dimanche dans le monde est capable de penser comme ça, un dimanche pas chrétien est capable de penser comme ça, mais à combien de plus fortes raisons nous, un chrétien, nous pensons comme ça? Nous sommes capables de venir en aide, n'y a pas de qui s'en a. Bien sûr, on va peut-être dire, oublier ce qu'il vient de faire. Ou que la nature de ce qu'il veut faire, est capable de travailler, la case, est capable, n'y a pas de comme ça. Mais, on est capable d'aider quelqu'un à faire. Donc, il y a quelqu'un, pas dire t'as l'air, pas dire demain. Fais. Je vais bénir votre Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, qui m'a la façon de pouvoir venir une bénédiction à nos prochains, à nos frères, à nos soeurs dans l'église? Qui m'a la façon de pouvoir venir une bénédiction? Premièrement, c'est pour moi, mon étudiant, de prier pour maintenant. De prier pour maintenant. Priez pour Banna, si vous connaissez Banna, vous faire face à un moment difficile, priez pour eux. Donc vous me demandez, frère, je ne vais pas prier pour eux. Je dis, je ne vais pas prier pour eux. Moi, je vais être là, si je ne suis pas capable de venir en aide à quelqu'un, nous faire. Passez-le pour dire ça. La Bible dit nous, dans Matthieu 18, verset 9, quand quelqu'un finit d'accord pour prier, nous allons faire manger une fois pour Dieu. D'accord? Quand quelqu'un finit d'accord pour prier, nous allons faire manger une fois pour Dieu. Dieu est meilleur qu'il est. Alors, si vous connaissez quelqu'un dans une situation difficile, allez, posez avec lui, priez pour lui. Là, nous, en France, je vais composer. Priez pour maintenant. Il n'est pas nécessaire de connaître qui place un tel de faire. Priez pour maintenant, je vais composer. Seigneur, à cause de ma chassesse, à cause de tout ce que je disais, que je l'examine. Je n'ai pas honte en rétor. Je ne connais pas cette création publique. Je n'ai pas honte en rétor. C'est à l'heure où vous êtes examen. La chose, c'est une affaire pour toi. Comment vous connaissez? Comment vous êtes capable de connaître si Iran peut faire passer un moment difficile? Un exemple. Iran peut faire passer un moment difficile. Comment vous êtes capable de connaître si il veut faire passer un moment difficile? Vous venez là, vous venez à l'église, vous dites 6 dates dimanche. Vous venez à l'église, c'est déjà le temps. Vous pas venir, c'est-à-dire vous venez là, vous dans la réunion, vous venez capable, très bien. 5 à 10 minutes. Moi, mon cas connaît si Evan dans une situation difficile. Vous connaissez. 10 minutes, il va se finir. C'est pour ça, peuple de Dieu, que vous êtes une communion pour un frère et une soeur. Parce que la jeune, il met en phase un homme, que vous êtes une équipe. Vous êtes l'équipe. Que vous êtes Christ en communion avec nous, un frère et une soeur. Bon, maintenant, vous avez besoin de la réunion finie. Pas l'express. Pas l'express pour aller. Non. Après, comment mettre au métro, elle s'est là. Comment dire, c'est arrêté d'un disteur, il est refusé d'arrêter d'un disteur. Alors, oui, vas-y, mais ce qui m'a envie de dire, c'est pas besoin de presser pour aller. Okay. Faire le maximum pour joindre chaque frère, chaque soeur, dire maintenant un bonjour. Comme nous. Bien sûr, on va peut-être dire, on finit le dimanche à même. Si nous avons fait un besoin d'un dimanche 5-10 minutes, mais votre dimanche est fini la même, déjà 3h à 5h. Non, bien sûr, vous êtes ça, mais le minimum qui nous a fait, c'est maintenir sa communion là entre nous. Bah, Dieu. Parce que vous avez moi, frère, mais il y a Covid. Il y a Covid. Mets Thomas, pas dire prétexte, mets Thomas. C'est lui, Sanitizer. Les saints qui disent, mais tu masques, God distance, mais communion est important, frère, monsieur.
communion est importante. Il est important que nous ayons une communication tout matin, ma soeur. Pour moi, on trouve une accélération pour nous donner un meilleur travail, comme un partage, avec un client. Mais tout le monde m'a avec ça, mais tu as envie de juger, on vient dans le travail. Mais tout le monde m'a 4-5 points. Et tu as des cartons, rien. Hein? Mais du moment où on partage ça, avec ça qui rentre, l'idée va mettre des suites de suivi. Des suites de suivi, de, ok, laisse nous réunir de tout, nous prier. Vraiment, c'est ça. Je prie et voir à Dieu, une accélération vient pour rendre un meilleur travail, un nouveau travail pour la race de Dieu. Peuple de Dieu, quand on a un backup, un support de Yahoo, ou même pour un opinion, ça encourage moi. Alors, être communion est vraiment important. Quand on demande pour une affaire, il le fait. La foi, le croire, après qu'il le fait. Action. Allez, je vais donner un témoignage avant de continuer. Il y a un petit mot qui vient d'affaire, je suis dit mettre ça dans ma tête, un jour grand pour vous. Je vais vous dire, qui est exactement. Mais, pasteur Jean disait la dernière fois, ce qui se attend, mettez-le en jeu. Mettez-le en jeu pour que je puisse trouver. Quand je trouve les, je la foi pour exercer. Ok, je reviens par son nom, je faire ça. Allez, je vais poser une question. Question pour un champion. Qui est te servir de servir tous les jours? Tous les jours, je vous visais servir. Quand vous grand matin, quand vous êtes à domicile, je vous. Allez. Au tard. On aime bien dire pour ça, non? Il ne s'en compte que ça, mais on va dire. Au tard. Allez, quand alors, qui veut dire? Je me disais que tu serais un pota, beaucoup dit, l'argent béni, pourquoi tu connais comment son année? Depuis bien petit, mais pourquoi tu connais comment son année sera l'année ou bien? En janvier, pourquoi tu connais son bien? Je me trouve l'argent béni, je gagne un cadeau pour l'anniversaire, qui gagne une béni moi, je gagne. C'est que mon vie, Jésus, peuple de Dieu, quand il va faire une quitteuse, exige sur la foi. Faire quitteuse pour exiger sur la foi. Laisse-moi avoir un bon témoignage concernant la foi. Dans la maison, moi, quand tu construis, votre finance, vous ne laissez ça libre. Bien sûr, quand vous laissez ça libre maintenant, tout amène en avant, finis mettre deux même. Avec un état, c'est que le Seigneur vient agir, vient trouver nous. Oui, nous allons faire une rénovation. Ok, faire une rénovation. Nous allons vous mettre mort. Pourquoi acheter votre nom? Nous allons dire, oui, attention, suis-je qui pied bien, ça m'a oublié pour ça. Suis-je qui pied bien, ça m'a oublié pour ça. Pourquoi mettre mort? Décidez-moi, tout finissez, moi, fini, maintenant, fini, faire une rénovation. Alors, peuple de Dieu, quand je vais atteindre qui Dieu par la foi, faire action. Et pareil, moi, c'est là, parce que mon caisse, mais avec le Seigneur, non? Et mon rappel, il tient à bon, ça témoigne à toi. C'est-à-dire, il se bat à l'aide de Dieu. Parce qu'il y a un peu, il se bat à l'aide de Dieu, mais il y a une sopinette, aussi. Il y a une sopinette. Il ramasse les, il amène les, il va dire sur la base. Quelques temps après, il vient sur le deux. Gloire à Dieu. Ok, bien sûr, alors, revenons à un message. Comme demain, mon Dieu l'affaire, vous avez action. Il est bon, la prière pour autant, mais si nous avons fait une action, nous allons dire. Hébreux 11, verset 6, la Bible dit à nous, oh, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si nous n'avons pas, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. La Bible aussi dit, dans Jacques, que Dieu, verset 14,
Mon frère, qui s'assied avec toi pour dire tenant la foi, mais ne pas faire aucune action. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Qui pouvait redire, peuple de Dieu, le verset 15 au 3, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Qui le redire, si quelqu'un manque manger, manque cleanse, vous dire qu'il y en a, allez le Seigneur bénit toi, de vous manger bien, de vous rester chaud, de vous rassasier. Ok, donc après une prière pour lui, mais si vous n'avez pas fait une action, je lis. Bien sûr, quand on fait une action, il n'est pas nécessairement de dire. Parce que parfois, il y a du monde, je n'ai pas vraiment pour le manger sur la vente. Je suis d'accord, tu as pu s'y donner le besoin, il n'a pas considéré à ce manger. Manger est important, donnez manger la même. Quand on aux provisions, c'est pas que tu dis en plus, il n'y a pas qu'à la en plus. Il me connaît tes affaires, bébé, cher. Si vous trouvez la capacité de vous faire dire, vous connaissez qui gagne dans le besoin. Je vous donne un exemple encore. Une fois, M. Supermarché, M. Abichouba, on a essayé pour rappeler ça. Mais si aussi l'église, M. Astène a fait bonjour et tout l'église. Vous prenez tout l'église même. Devant moi, il y a un petit garçon. Peut-être moi, un petit garçon. Il peut payer dans la caisse, il prend couche pour adulte. Bien sûr, quand il dit couche pour enfant. Couche pour enfants. Vous connaissez les enfants normalement, ils servent couche. Et quand nous disons couche pour adulte, c'est-à-dire qu'ils gagnent malade, l'adulte malade dans la maison. Alors, les enfants-là, ils disent, en couche là, vous êtes payé, et c'est là de dire, moi, c'est un compromis. Ils disent, mais attends-moi la case, pourquoi qu'on n'est pas qui rester? Pourquoi qu'on n'est pas qui rester? Puis distance, etc. Vous voyez, c'est un compromis, laissez-moi vous payer, ça c'est un compromis. Vous voyez, là. Ça y est, on y est, mais ils font. Pas connaître, on s'est servi, mais cette rituelle qui passe dans la tête, là, c'est une propre bouche pour un adulte, ça ne peut pas être malade sur la place. Un adulte malade. Qu'est-ce qu'on vient de bénédiction? Quand Dieu, quand on vient l'occasion pour venir une bénédiction, il y a quand même une petite chose, il y a quand même une petite chose. Quand on vient de dire, Proverbe 3, verset 28, pas dire au prochain, il dit, tu le mets sur le cas des autres. Si vous trouvez le cas, il dit, aide-lui. Dans l'acte des apôtres, vers le verset 35, quand vous dites à Éphésiens, il n'a plus de choix de donner qu'à recevoir. Bien sûr, un petit service pour la dîme des offrandes. Mais, laissez-moi vous dire, il n'a plus beaucoup la joie quand vous avez une bénédiction, mais qu'il est capable de donner une petite chose quand vous recevez. C'est vraiment très bien quand vous vous retirez ainsi, mon frère et soeur. Amen. Bien sûr, comme nous disons, vous êtes plus bien quand vous avez donné une petite chose, mais pas. On me dit, mais il y a une donnée, un pitcher qui a servi en place de donner l'argent. Parce que je ne sais pas comment il faut servir à l'argent. Il y a des gens qui abusent de leur générosité, qui abusent de leur volonté. Tu as une famille qui fait une église avant. Voilà. Alors, mon parent, souvent le voit, parce que quand je fais faire pour l'argent, après du mois, tu prends un pitcher en place. Il est ravi, c'est. Après, même une boîte concert, dame. Tu veux prendre? Tu peux prendre un sac, tu peux dire la personne. Arrivé un moment que mon parent n'est plus parlé, un jour, Banas va venir, il dit frère, tu sais, pas tout ce que tu m'as dit. Je ne peux pas venir quand je gagne des gens. Alors, qu'est arrivé à Dieu? Maintenant, je suis content. Je suis content, c'est ça, ça m'a une provision qui se venir. Je ne suis pas capable à faute pour gagner, mais je suis content que ça m'a une provision. Je vais trouver une solution pour gagner. Et gloire à Dieu, une prière pour maintenant. Et aujourd'hui, où mes enfants grandissent, je vais travailler, je vais capable de se construire sur la maison. Comment nous avons une bénédiction pour un qui gagne? Très gentil, on va dire. Mais moi, je ne pas connaître qui est un dimanche passé, qui est un dimanche. Capable de la journée de ce travail, et aussi bien capable de conduire, pour faire du monde une brique un coup de haut, pour ne pas connaître qu'il y a du monde qui est capable de passer. Donc, bien sûr, être gentil, on vient du monde, pas besoin de l'esprit, on vit qu'au esprit.
doit être calme, être gentil. Dis merci. Dis merci. Quelqu'un fait un petit peu pour vous, dis merci. Ça, si vous voulez une bénédiction, ça, c'est bon. Et là, quand vous considérez ça, merci là, maintenant, vous appréciez quand on dit merci. Moi-même, quelqu'un qui apprécie quand quelqu'un dit merci. Si vous avez quelqu'un de travail, pas de merci, vous avez de rien. Non, on va dire non, mais moi, apprécie quand quelqu'un dit merci. Donc, si vous avez une lens qui est en bon état, capable de serrer, capable aux enfants de grandir, une servir bien, tirer les dents, donnez quelqu'un qui est dans le besoin. Donnez super, gloire à Dieu, super la personne. Et en courant, tout papa, là, sur quoi vient bénédiction. Accepte l'œuvre. Mon pasteur, je viens de te faire. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça nous a fait bien pour toi. Luc 10, le verset 30. Luc 10, le verset 5. Le papa, il y a les points de l'œuvre. Dans quelques maisons que vous ont prié, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Veux dire une dernière phrase? Que la paix soit sur cette maison. Quand on donne la case, oui. Que la paix soit sur cette maison. Qu'il a fait monter dans sa case. Enfin, monsieur, souvent les fois, c'est beaucoup trop. Dans certaines religions, normalement. Parce que je viens de camarades, parmi la même religion, je tiens les mots. Tu connais mon bédier là. On va bien dire, je connais. On ne peut pas dire qu'il a répondu avec toi. Je veux dire, si on avait capable de servir, moi, combien plus forte raison de servir. Vous êtes capable de dire, monsieur, mon frère, la paix mondiale avec toi. Et vous commencez dans la case, mon frère, monsieur. Et vous commencez dans la case. Parce que la juste maman, tu comprends de ça. On va dire avec le Seigneur maintenant, mais parce que la juste dedans, vous êtes là. Avant, il sortit, c'est maman qui dit. Allez, c'est qui rappelle? On dit bénis-toi la grâce de Dieu avec toi. Quand je fais besoin, parce que c'est juste un moment dans l'église, on dit bénis-toi en fait, la grâce de Dieu avec toi. Je suis content de dire ça. Mon frère, monsieur, développe dans la grâce. Il est capable, parents, des enfants. Non, pas capable. Parents capables de des enfants, on les enfants aussi grâce à ce parent. Avant ce parent travaille, ou bien, il est capable de se sortir avant. Maman, papa, vous allez, papa, Seigneur bénis-toi. La grâce et la paix de Dieu avec toi. Je viendrai dire ça aux parents. Amen. Bien sûr, nos parents aussi, je viendrai dire ça aux enfants. La grâce et la paix de Dieu avec toi, mon garçon. Gloire à Dieu. Moi, je viens de bénédiction pour l'église. Premièrement, c'est le vie de l'église. Premièrement, c'est le vie de l'église. Je viens de bénédiction pour l'église. Premièrement, c'est le vie de l'église. Je viens de soutenir l'église. Un défaut pour rendre l'église à l'heure. Pour une église, une bénédiction pour l'église, de nous supports pour la prière. Une vie de bonheur pour une 16, pour installer, ok, on installe 16. Une vie de bonheur, disons qu'il peut la Sainte-Sainte, disons qu'il gagne un coup si tout correct, des lots, palettes, tout à fait correct. Laissez nous bénir. Une vie de bénédiction. Priez pour l'église. Priez pour l'église. Quand vous priez pour l'église, vous trouvez l'amour pour l'église augmenté. Pour vous contenter une église. Priez pour le pasteur, pour lui dire, vous content. Pour vous content, pasteur, pour vous content, les gars, quand vous priez, voilà. Prenez l'amour, voilà. Pour nous faire une bénédiction encore. Donne l'offrande. Donne l'offrande à Dieu. Une bénédiction pour l'église, mon frère, monsieur. Parce que, pardon, ça va tirer là où tu étais. La fin du mois, nous payons l'occasion. Alors, donne l'offrande à Dieu, et bien, une bénédiction. Il y a un pasteur qui fout le temps. Un pasteur qui fout le temps, il va avoir un salaire. Ben, si vous êtes un enfant, ben, si vous êtes un âge, vous êtes provision, vous êtes faire, vous êtes un plusieurs qui vous êtes faire. Alors, ben, donne à Dieu, nous l'a dit, nous le prendre. Il va venir une bénédiction. Participe dans l'action de l'œuvre. Participez, il est capable, vous pouvez aller en présentiel, il est capable, vous pouvez aider financièrement, même vous êtes capable d'aller. Faites à l'église. Il n'y a pas de faites à l'église, ça va rien. Il y a une bénédiction. Le frère fin qui te laisse à feu d'âge, il y a une bénédiction. Allô? C'est un travail pour faire dans l'église. Vous aider. Moi,
On va dire qu'on a aidé pour moi. Ceux qui connaissent moi, un jeune qui connaît moi, si un jeune, tu vois, tu peux pas dire que moi, on m'aide. On va dire qu'on n'a rien, ça va faire. On va dire qu'on n'a rien. Papa, tu avais manjou, quoi. Le frère jeune, besoin de salle d'affaires électrique. Ouais. Et on a dit que lui, il est venu à l'école même. On va aller, on va parler avec lui. Alors, on dit, c'est un petit problème. On va dire, c'est un petit problème. On va dire, c'est un petit problème. Bon, on va faire des stations, mais un petit kitchen, on connaît moins pour résoudre. Un petit, il a commis un socket, on va finir mettre les, et on va faire ça. Comme on était avec l'église, mais une bénédiction pour l'église, on retourne sans une bénédiction pour nous. Allez. C'est obligé, mon frère, mais la dernière fois, on a peinti à l'église, maman a dit, mais on ne va pas peinturer, on couille, moi. On va toujours continuer, on s'est béni, oui, un petit kitchen pour maintenant. Si vous arrivez dans une église, vous trouvez qui vient venir. La semaine, téléphone, demandez une nouvelle, tout correct, en tout cas, dimanche. Arrivez, vous pouvez trouver un jeune dimanche. Lundi, vous m'appelez, vous m'avez un message, vous m'avez malade, vous m'avez poli. Il y a une bénédiction, ça l'est là. Dimanche, vous m'avez capable de s'aller là. Il peut passer un moment difficile, mais quand on téléphone, quand on avait un message, ça fait encourager. Il y a une bénédiction pour lui, ça l'est là. Bien bénédiction par la façon que vous vivez d'eux. La façon que vous vivez d'eux, qui vous redire. Allez, je vous dis, hé, ça qui est dans l'église, moi, quoi, ça? Ça qui est dans l'église, moi, quoi, il peut faire comme ça avec moi? Pas bien une raison pour quelqu'un qui a blâme le Seigneur, qui a blâme le pasteur, l'église. Bien une bénédiction, même la façon que vous vivez d'eux. Dans Matthieu 5, verset 16, avec vous et nous, en version CEV, vous pouvez lire. Make your light shine so that others will see the good that you do and will praise your Father in heaven. Ce que tu veux faire, ce que tu veux faire à mon frère et ma soeur, que les autres capables de la gloire à Dieu. Que les autres capables pour savoir et donner la gloire à Dieu. Hébreux 13, verset 16. Pas plaisir d'être les autres pour partager ce que tu es là. On l'a dit, but don't forget to help others and to share your possession with them. This too is like an offering. This too is like offering a sacrifice that pleases God. Qui on veut dire, pas oublier et tes jeunes, cher, partage ce qui tu as. Madame le Dieu, on peut dire partage de là, non? Mais vous connaissez, dans la route, il y a tel frère, telle soeur, pour faire ça la route là, même la route avec vous, une église, il y a un transport. Si tu as donné un livre, donnez un livre. C'est ce qu'il faut faire souvent. Bien sûr, on n'a pas besoin de vous monter. Si je suis capable de marcher, je suis allé. Parfois, si je me trouve maintenant, je ne peux pas arrêter. Parfois, on a même pour dire moi, et dit que tu gardes de moi un livre. Vous faites, vous venez une bénédiction. Maintenant, vous dites moi, frère, et vous dites moi, je viens une bénédiction, je viens une bénédiction. Et pour moi, qui arrive là, ça connaît, ça les a arrosés là. La plantation m'a arrosé. On les a arrosés. Je vous amène bien là-haut. Là, ouais, tu veux la plus bonne, gloire. Quand je t'ai arrosé, je t'ai arrosé sans se mouiller. Ça les a arrosés sans les mouiller là. Alors, on n'est pas ici. On n'est pas ici où vous faire des choses, pas mouiller même. Donc, frère, monsieur, le proverbe 11, verset 25, la Bible dit nous, celui qui peut arroser, il doit être arrosé. C'est un ultimement sur ça, le matin ou pas. Celui qui peut arroser, il peut arroser. Celui qui peut arroser, plutôt, il peut arroser. Dans Matthieu 5, le verset 7, la Bible dit you're blessed when you care. At the moment of being careful, you find yourself cared for. Qui veut dire faire? Vous bénissez quand on prend soin des autres. Et le moment que vous prenez soin des autres, bon Dieu pour faire la peau, les autres du monde prend soin de vous. Amen. Et bien sûr, nous terminons, nous disons, comptons les autres, comptons nos frères et nos soeurs, c'est un élément qui m'a béni, je suis papa. Amen. Donnez un amour pour nos frères et nos soeurs et pour être amis. Nous vous venez à béni, je suis papa. Pour les fautes qui s'en arrivent. Amen. Je bénis pas la parole de Dieu. Amen. Amen.